Et salut tout le monde, c'est MassiRaptor06, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de WonderCube, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale puisque normalement cette vidéo sera diffusée le jour de Pâques. Et donc aujourd'hui on se retrouve avec Uis Gaming. Salut. Et donc j'essaie de mettre ton son fort, mais le problème c'est que t'as un bruit de fond, donc je sais pas quoi faire. Bref, donc aujourd'hui on va faire une petite prank chez Jabu, si on peut appeler ça une prank. Donc on a chacun 6 cadres et 6 œufs. Et en fait on va... Non, 6. Ouais, mais bon, on va en cacher 6. Ouais. Et donc du coup on va cacher 12 cadres chez lui et il va devoir tous les trouver. Et du coup, avec ça, il pourra avoir accès à un genre de trésor, enfin on verra. C'est une genre de petite prank pour Pâques et pour vous faire un petit épisode pour Pâques. Donc c'est parti. Alors je vous ferai sûrement un condensé de tout ce qu'on va faire. Et on va rester sinon filmé tout le temps. Parce que voilà. Alors déjà, je te propose de commencer par cet endroit. On va cacher à des endroits plutôt difficiles quand même. Hein. Enfin pas trop non plus, mais... Oh, il y a un bug de chunk là. Ah, il y a un... D'accord, je marche dans le vide là. Toi aussi ou pas? Non, non. Bon, alors, déjà cet endroit... tu vois, on va le mettre à un endroit tout bête, mais il va pas penser à regarder. Ça fait un œuf. En sortant, il va le voir direct. Ah, attends, j'ai une idée. Y a pas une enclume par... T'as de quoi? T'as une enclume sur toi ou pas? Ouais. Ah bah vas-y, pose. Et... Ça, c'est des tables de craft, tu le sais. Ah merde, hey. désolé. Tu me dis quand c'est bon. Du coup, attends. Je vais prendre 12 œufs. Hop. Je vais les renommer. Joyeuse. À Joyeuse Pâques, il y a un S à Joyeuse et à Pâques. Ouais. C'est bizarre quand même. Joyeuse Pâques. Voilà, Joyeuse Pâques. Et on va mettre un point d'exclamation. Parce qu'on est des fous. Voilà. Maintenant, tu vas pouvoir prendre les œufs Joyeuse Pâques. Et maintenant, on va les placer. Thank you.
Donc là normalement pour vous l'accéléré est fini. Alors finalement en fait je vous expliquais pourquoi j'ai pas fait ce que je voulais faire au début. Au début je voulais vous mettre des petits moments de tout ce qu'on avait fait avec Ulysse, mais au final il y en avait beaucoup trop. Et en ce moment j'ai pas tellement le temps de vous faire trop d'épisodes, trop de vidéos surtout parce que j'ai bah pendant les vacances bah déjà je serai pas là, j'aurai mon brevet blanc à réviser. Et j'ai plein de devoirs en plus en ce moment, donc j'ai pas tellement de temps de vous faire grand chose. Surtout là il y avait plus de 2 heures d'épisode. Alors faire un condensé, franchement j'avais pas vraiment envie. Et ça aurait été beaucoup trop long de toute façon. Donc je vais vous résumer en gros ce qui s'est passé. Je vous aurais mis un accéléré de tous les endroits où on a caché les cadres avec les œufs. Donc je vais vous expliquer en fait comment ça va se passer. Donc il va chercher. Enfin, je vais vous résumer tout un petit peu. Donc il va chercher tous les œufs. Une fois qu'il les aura tous trouvés. Ok, il y a cet Enderman qui m'a fait trop peur. Donc joyeux pack, j'ai bu. Dans ta ville ont été cachés 12 cadres comme celui-ci. Donc voilà, comme ça. Ta mission, tous les trouver. Une fois tous les œufs trouvés, tu liras le livre. Donc le livre qui est là. Ta mission sera complexe, Matmut et Lulu. Donc en gros il va devoir trouver tous les œufs, bah, comme c'est marqué. Et une fois qu'il aura trouvé tous les œufs, il va prendre ce livre et il va le lire. Donc ça c'est une énigme qu'on a faite avec Ulysse. Donc pour le fun. Donc en fait il va devoir trouver la réponse à l'énigme. Donc elle est marrante cette énigme. C'était histoire de faire un petit truc avec Ulysse, on a fait ça, on trouve ça plutôt marrant. Alors, voici l'énigme. J'ai une belle chevelure et je pond des œufs durs. Je suis tout petit et je réveille Billy. En plus, on a fait des rimes et tout, c'est pour ça que c'est un petit peu bizarre en fait le texte. Je suis plutôt fidèle et ma chanson préférée est le système actuel. Mon ennemi est le renard et je n'aime pas les noirs. La réponse te conduira au trésor. Signé Ulysse et Matisse. En gros. Je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, le mot qu'il va devoir trouver, c'est un poulet. Alors juste, je vais me réfugier dans une maison pour pas qu'un creeper me pète dessus. Sinon, je vais mourir. D'accord, il n'y a pas d'entrée dans cette maison. Ainsi. Alors, j'ai une belle chevelure et je prends des œufs durs. Déjà, la réponse à l'énigme, c'est le poulet. Donc déjà, Jabu est un poulet. J'ai une belle chevelure. Un poulet, ça a une crête, voilà. Et je pond des œufs durs. Et ça pond des œufs. Bon, ils sont pas durs, mais c'était pour la rime. Je suis tout petit, c'est un poulet, c'est tout petit. Et je réveille Billy. Ça, c'est un poulet, ou plutôt un coq, quand il crie le matin, il réveille des gens. Du coup, je cherchais une rime en I, Billy. Voilà. Je suis plutôt fidèle. Bon, ça, c'était pour faire une rime avec ça. Et ma chanson préférée est le système actuel. Donc, il faut savoir que Jabu écoute toujours une musique. Un peu nul à mon goût. Et ça s'appelle le système actuel. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais dedans il y a ça. Enfin bref, c'est un délire entre Jabu et moi. Mon ennemi est le renard. Parce qu'un poulet, bah, il se fait bouffer par le renard. Et je n'aime pas les noirs. Donc, on n'est pas du tout raciste et Jabu non plus. C'est juste pour faire une rime. En plus, c'est marrant. Donc voilà. Donc avec tout ça. Donc ça fait référence soit au poulet soit à Jabu. Et vu que Jabu est un poulet, et bah il va devoir trouver poulet. Donc la réponse te conduira au trésor. Donc vu qu'il va trouver poulet, la réponse le conduira au trésor. Oui, donc il y a beaucoup de réflexion, hein. La réponse le conduira au trésor, donc il faut qu'il aille à un poulet. Donc s'il comprend bien, soit il faut qu'il trouve un poulet et qu'il aille vers lui, soit il faut qu'il aille au poulet. Et à quel endroit il y a un poulet? Et bah vous vous rappelez de la prank que j'avais fait. Je sais plus à quel épisode c'était, mais vous cherchez poulet au prank que vous avez trouvé. En fait Jabu avait fait un petit poulet chez moi. Et moi je l'avais pranké, j'en avais fait un géant. Là on va aller le voir. Et en fait bah la réponse te conduira au trésor. Donc la réponse c'est poulet. Il va au poulet et il trouve le trésor. En gros c'est ça. Donc on a mis pas mal de temps à trouver ça. Donc là, on va aller, on va partir donc à l'endroit où il y a le poulet.
Donc ça c'était là on va en gros dans l'ancienne maison de Jabu, là où il avait fait son petit château au début de l'aventure, enfin son gros château plutôt mais qu'il avait pas fini. Et bah c'est là où j'ai fait le gros poulet et du coup bah c'est là-dedans vu que c'est dans le poulet. En gros faut creuser dans le poulet et tu trouves le coffre au trésor. Donc faut pas monter tout en haut du poulet, faut juste creuser dans ses pattes. Et là on trouve. Au pire de toute façon, normalement si j'ai le temps, sinon ce sera dans l'épisode suivant. Par contre l'épisode suivant, ouais, dans l'épisode suivant. Et donc en fait, on fera sa réaction en gros et on sera avec lui quand il va tout chercher et tout essayer de trouver. Genre quand il va chercher les œufs, quand il va lire l'énigme, ça va être le plus marrant je pense. Donc déjà, je vous invite à regarder le prochain épisode. À moins que ce soit dans celui-là, je verrai. Et sinon, bah ouais, ce sera dans le prochain épisode. Du coup, ce sera bien marrant quand tu vas chercher. Et au pire, de toute façon, s'il ne trouve pas, je donnerai des petits indices en plus. Hop, par contre, je viens de bugger. Voilà. Hop. Par contre, j'ai plus que 2 cœurs parce qu'en fait, enfin, pendant le truc là, on s'est fighté avec Ulysse. Enfin en gros, j'étais avec Ulysse, et genre il avait plus beaucoup de vie, et il m'a provoqué genre, je suis sûr que tu veux pas me tuer, et je l'ai tué. Bref, donc voilà, je l'ai tué, et je sais pas pourquoi j'ai perdu des cœurs, parce que je crois qu'il m'a mis des coups à l'arc pour rigoler. Alors, on va faire FN, F3 plus A, voilà, pour reload les chunks. Ça marche pas du tout, parce qu'il y a des bugs de chunks en 1.9, donc alors on va attendre que ça charge. Il y a déjà le truc badass qui est en train de charger. Alors, donc on peut voir les gigapattes du poulet. Donc le corps du poulet, le poulet géant quoi. Et en fait, donc c'était une vieille prank que j'avais faite. Ouais, je sais plus quand c'était. Mais alors, oh mon dieu, un pouletosaure, c'était bah voilà, au début de l'année. Et donc il aura à creuser là-dedans. Par contre, il y a des trucs là. Et alors bien joué, voici ta récompense, joyeuse Pâques. La tâche fut complexe mais tu as réussi, jeune Padawan. Lulu Matmat. Et donc, je vais enlever cette forme suspecte. Hop, comme ça on va faire. Comme ça, voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on lui a mis? Alors, Ulysse a contribué à mettre un diamant dedans, moi j'ai mis le reste. Et l'enclume est d'Ulysse. Bon, l'enclume. C'était pas un cadeau à la base, mais j'avais ça. Alors, je lui ai donné. Donc déjà, il y a des œufs, parce que c'est un poulet, il a cherché que des œufs pendant tout le truc. Après, on a 2 diamants, c'est déjà pas mal. Mais surtout, la vraie récompense, en fait, c'est les 2 livres accommodage. Donc les 2 livres mending, que j'ai bu, galère pour avoir, et il en veut vraiment. Donc 2 livres mending, pour une énigme, qui était plutôt fun à faire, je trouve, avec 2 diamants. Enfin, plutôt facile à faire, enfin plutôt marrante surtout. C'est quand même vraiment bien comme récompense, je trouve. Je voyais pas vraiment quoi lui donner. Et 2 livres mending, bah super bien vu qu'il en veut. Par contre, les bugs de chunk, ça va pas le faire. Voilà. Du coup, voilà, en gros, c'est comme ça que ça va se passer, l'énigme. Je pense que ça va être plutôt marrant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve. Je pense que, ouais, vu le temps que cet épisode va faire, et que de toute façon, j'ai bu et pas là ce soir, donc je pense que je le ferai à l'épisode suivant. Donc en tout cas, j'espère que cet épisode, du coup, vous aura plu, que vous passez de joyeuses Pâques, vu que cet épisode est un peu là pour vous souhaiter joyeuses Pâques. Donc voilà, ouais, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à partager la vidéo avec vos amis, et surtout à vous abonner. Nous, ça nous fera super plaisir et en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour la réaction de Jabu. Allez, bye bye.